Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la journée 3 et la journée 4, c'est cela, parce que on va regarder quand même parce qu'après je dois prendre l'équipe de France aussi, mais non, c'est ça, donc on se retrouve pour la journée 3 et la journée 4 face à Pau, puis face au Loup. On n'est pas très bien dans le championnat, hein. On a commencé avec un nul et une défaite, non, ça s'est jamais joué à grand chose, on était pas loin de gagner le premier match, on le perd. On le fait match nul, on n'était pas loin de le gagner, on perd. Bon, si on transforme, on peut aller chercher le match nul, je crois, de mémoire. Donc on lance de suite cette troisième journée face aux Palois. Il faut aller chercher la gagne. Il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. On n'est pas super bien pour l'instant. Bon. On peut aller chercher des victoires. Donc moi j'ai mis Dupuis-Stein à la charnière, vu que on a Will Gagnia qui est blessé. Le reste c'est l'équipe classique. On a gardé Pascal Papé. Et on va se lancer. On regarde un peu. Voilà, il y a Conrad Smith, Slade. Il y a quand même des adversaires. N'oublions pas que c'est eux qui, au match de pré-saison, nous ont mis 15-0, je crois. Donc forcément, il faut se motiver, il faut mieux jouer que l'autre fois. Et on ne récupérera pas la balle. Allez, on arrive par contre à voler la balle de suite. Mornestein qui revient. Allez. Au soutien. Non, ouais, pourtant j'ai mis, regardez, tout le paquet de mecs que je nous ai mis dans le rug. On essaie de gratter, on ne grattera pas cette fois. Avantage, ils ont fait un avant de passe. Et on commence, on est motivé. On est là pour. Il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. On est là pour aller gagner les matchs maintenant. Donc, on est motivé. On veut gagner tout ça. On a pris du retard. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Ils nous volent le ballon en mêlée d'entrée. Il tente de relancer, on se fait avoir, elle va être direct en touche. Bon, ça c'est un cadeau, et on va tenter la petite technique. On va voir ce qu'on peut faire. On va envoyer sur Pascal Papé. C'est marrant, il n'y a pas de. Allez, Dupuis, hop, Mornestein qui fixe pour Burban. Burban qui essaie de rafuter, il entre, il passe et on marque le premier essai au bout de 6 minutes de jeu. Hop, on regarde, c'est bien construit, Papé, Dupuis qui envoie sur Stein qui fixe et qui donne pour Burban, qui a plus qu'à courir là, par contre faut résister au plaquage, il arrive à rafuter Conrad Smith, je crois. On marquera cet essai. Alors attention, on a raté une transformation qui nous coûte l'autre fois. Nous coûte le match nul, donc on va essayer de pas faire de bêtises maintenant au but. Mornestein est un bon buteur, donc il n'y a pas de raison, hein, c'est de ma faute si on se rate. Allez, bien joué avec Paris, il balance de suite. Regardez, on essaie de les désorganiser, hein. Ils arrivent à faire une belle relance là, une très très belle relance. Des bonnes relances, mais on a réussi à les arrêter tout de même. Et le contre-ruck, mais et pourtant le jeu bourrine, c'est pas commun. On avait l'avantage, mais en fait, quoi qu'on fasse là, on n'avait pas le droit de le gagner. J'ai l'impression, ce ruck. Et on essaie à chaque fois de gratter le ballon. On est à la limite de la faute. Ah non, Conrad Smith qui, je me suis fait avoir. Allez, Hugo Bonneval ou Arias, faut la prendre. Hop. On essaie, une petite chandelle pour gagner quelques mètres. Allez, ah, on est pris dans les airs, hein. C'est dommage. On n'arrive pas à récupérer les ballons pour l'instant dans les airs. Mais faut essayer de les défendre correctement. Attention, regardez, à l'aile, c'est dangereux. Avec une bonne balle, faut pas que je me rate. Hop, on y va avec Dupuis là. On a vu qu'on fait le pousser en touche, évidemment, on en profite de suite. On va mettre un alignement complet. Pascal Papé avait l'air chaud en touche. Donc on va lui renvoyer. Hop. Voilà. Mornestein aurait essayé de trouver une touche. Attention à ne pas l'envoyer directement. C'est un beau coup de pied ça
de Mornstein. Il ramène dans les 22 Palois. Et là, si on arrive à la voler, ça serait parfait. Allez, allez. Eh oui, qu'est-ce que je disais? Hop, Urbain de nouveau. On a essayé de faire la même. Allez, allez, allez. Ça va. Il n'est pas vraiment en face, ça va pas être facile, mais un drop peut être intéressant là. Ah non, je pensais que le vent allait la ramener beaucoup plus. Je joue mal le coup et j'ai envie moi de me rassurer, hein, les Palois, j'en suis presque traumatisé après le 15-0 qu'ils nous ont mis, donc on a envie de marquer très vite, de se mettre à l'abri, et malheureusement c'est raté. Allez Eric Danti, on essaie d'y aller en puissance. Allez, allez, ça va, on est là, tranquille. Hop, on essaie. Ah non! Mais en voilà, Einstein, il est juste derrière toi. Aïe, ça y est, vous allez m'entendre rager dans pas longtemps. Allez, est-ce qu'on va réussir à la voler une fois de plus? Non, dommage, on s'était bien placé avec l'alignement. Est-ce que ça. Non, pas bonne balle. Hop, on va chercher la touche. Bon coup de pied de Bonneval. Il y avait la pression, ça remontait. Ça montait très très vite côté des adversaires. Et on s'en sort bien. Allez, maintenant il faut voler la balle. Non, bonne touche. Pour l'instant, ils sont quand même dangereux. Dès qu'ils envoient l'aile, regardez, il y a vraiment du danger. Allez, Senzel, bien. On ne rattrape pas la balle. Attention avec Sergio Parisse. Hop, on y est là. Attention, Dupuis qui. Oh, ils arrivent à aligner la petite passe avant de sortir en touche. J'ai cru qu'on avait fait le plus dur là. Là, on peut faire du contre-rec peut-être. Non, j'y ai cru encore une fois. On essaie de bien défendre pour l'instant, de défendre proprement. On les tient bien, hein, mais. C'est quand ils arrivent à envoyer la balle à l'aile. À chaque fois il y a danger. Oulala, petit côté. C'est dangereux. Bah, ils avancent, regardez. Ils arrivent sur nos 22 mètres à force. Alors on essaie d'être propre, hein, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour l'instant, bah, c'est pas top. Allez, 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 allez. Là on peut. Non, 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 on ne pourra pas. Et pour l'instant, ils conservent la balle, mais depuis combien de temps? C'est impressionnant. Allez Arias, Danti, on y va avec tous, ils font des retours intérieurs de malade. Allez, il y en a marre, on gratte la balle. Non, on n'y arrive pas, c'est fou là, il n'y a rien à faire. Ils nous conservent, ils conservent la balle. Et c'est quoi cette équipe de pro là? C'est les All Blacks ou quoi? Ils ont une conservation de balle là, c'est... Je peux pas la récupérer. Et combien de temps de jeu là? Allez, allez là, mais... Ouais là, ça y est, je vais casser, j'ai tout cassé. Boum, on donne... Allez, Danti, on a enfin récupéré la balle. Senzel qui ralentit sa course pour la donner à Burban qui a déjà mis un essai. Il essaie de... Strafuter, mais il est poussé en touche malheureusement. Aïe, 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 on est pas loin hein, de faire ce qu'il faut, d'aller chercher les bons intervalles, et malheureusement ça ne passe pas. Et après eux ils arrivent à garder la balle mais tellement longtemps, c'est de l'attaque défense hein. Vous allez voir, ils vont conserver encore une fois la balle pendant 3 heures à part si t'as vos pieds quoi, mais sinon je peux pas. Et moi, le problème, c'est que j'ai pas le choix. Si je dois toujours aller vers les coups gagnants hein. Il était hors jeu! Il était pas hors jeu! Il était pas hors jeu, d'accord. Voilà, avec Doumerou. C'est pas un grand moteur, mais on arrive à envoyer loin. Donc au moins, on peut mettre une bonne pression. Voilà, dans leur 22 mètres, c'est bien. Et Danti qui arrive à gratter la balle. Allez, allez, allez. C'est bien joué. Et là, peut-être. Allez, Mornstein qui fixe, qui donne pour Arias. Et il y a peut-être le deuxième essai au bout. Oui messieurs, 12-0 juste avant la mi-temps. Ça c'est cool. Voilà Danti qui a super bien, qui a réussi à gratter la balle. Puis après on arrive avec le soutien. Et puis Mornstein qui fixe et qui donne la bonne passe à Arias,
qui fixe le poteau de touche et qui arrive à aller aplatir. Ce serait bien de la transformer là. Ça serait bien de la transformer. On a raté le drop tout à l'heure avec Morningstein. On va compter un peu devant, mais pas trop, sinon on se fait avoir. Allez, comme ça. Allez. J'espère que ça va passer. Le vent ne la ramènera pas tant que ça, on voit. Donc c'est bon. Ça fait 14-0. On prend bien notre revanche là. Face aux Palois. On a vu qu'ils sont très très bons dans la conservation de balles. Et qu'on n'arrivait vraiment pas à leur, leur. Ah là là, vous allez voir, on va perdre la balle. Non, ça va. Hop. Là, on a vu qu'on avait Morningstein en fait en demi-mêlée, donc on utilise son pied énorme, voilà, pour faire ça. Et ça, évidemment, ça fait mal aux têtes des Palois qui rejouent direct dans leur 22 mètres pour commencer cette deuxième mi-temps avec la pression sur la touche. Bon, ils arrivent à conserver. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils devraient taper au pied, hein, je pense qu'ils devraient, parce que c'est prendre un risque fou quand même de relancer à la main, même s'il y a 14-0. Et voilà pourquoi ils auraient dû taper au pied, parce qu'ils ont voulu jouer, ils ont perdu pour le coup. Parce que là, si on vient à marquer encore, je pense que le match est plié. Après, il faut marquer, un drop, un essai. Il faut ressortir avec des points, il faut essayer de ne pas perdre la balle en mêlée si possible, comme tout à l'heure on a perdu, mais pas trop mal. Voilà, allez, on envoie Stein. Stein qui envoie une sautée pour Danti Doumerou. Arias, et Arias qui marque son deuxième essai, troisième essai du Stade français. Ça sent bon là les gars, cette fois-ci on est bien parti pour aller gagner. Et on a le bonus offensif en plus là, hein. Trois essais de plus que l'adversaire. Hop. Donc évidemment, il va falloir essayer de le conserver. Morningstein est chaud au but en plus. Le match est gagné maintenant. Alors j'espère que les règles ont été mises à jour et que c'est bien 3 essais supplémentaires par rapport à l'adversaire. Ça, on le verra tout à l'heure si on arrive à garder 3. Mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà, là, Morningstein était complètement esselé. Mais regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pas. Alors là, ouais. Bon. On essaie de tenter quelque chose parce qu'il y a l'avantage. Est-ce qu'on tente plutôt une relance de folie vu qu'il y a l'avantage? Ah bon, on tente. Oui, bah, de toute façon, Durban, c'est sûr, c'est pas un botteur, mais regardez, il arrive à balancer quand même assez loin. Et là, si on défend bien, ils ont une pression énorme. Ah, ils arrivent à sortir quand même de leur en but. C'est bien joué, c'était limite. C'était pas gagné là par contre. On monte sur eux. Non, ils arrivent encore à sortir de leur en but. Danti. Oh non! Arias! Qu'est-ce qu'il nous a fait, Arias? Alors là, c'est dégueulasse pour eux, il revient pas, il met pas Rambo 22, il va nous permettre une mêlée. Mais Arias! J'aurais dû, avec Danti, je grade la balle, je peux peut-être même aller à l'essai directement avec Arias. On essaie de donner le hat-trick, le triplé, le coup du chapeau à Arias qui nous fait un en avant catastrophique devant la ligne. Et ça, c'est fort dommage. Quand on n'est pas loin d'aller récupérer la balle sur la mêlée. Allez, là, Stein qui envoie une longue sautée d'Oumerou, Senzel, et qui aplatit. Ah, c'est match à sens unique quand on voit comment on a démarré la saison. Ça fait du bien de faire ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu aurais pas dû prendre le Stade français. Fallait bien en prendre une, hein. Toulouse, je pense qu'ils sont trop forts et ça aurait pas été intéressant. Vous vous rendez compte qu'ils sont 80 de notes. Donc, bien sûr que je préfère Toulouse. Moi, je suis de Toulouse, je pense que ça s'entend à mon accent. Mais je pense pas que ça soit. Enfin, ça aurait pas été. En plus, avec Toulouse. Oh là, je me suis raté. Avec Toulouse, limite, j'avais même pas besoin après d'espérer faire de beaucoup de recrues, etc. Parce qu'en fait, ils ont déjà un effectif cool. C'est comme si j'avais pris Toulon. Avec le Stade français, on a quand même une marge de progression, essayer de recruter des joueurs, pas mal de joueurs, etc. Donc bon, voilà pourquoi j'ai pris le Stade français. C'est un choix contestable, je vous l'accorde, hein, mais
C'est par rapport au fait qu'on puisse évoluer avec cette équipe. Voilà. Allez. Ça. Ça passe pour l'instant, mais très une bonne conservation. Mais ils nous ont fait peur en première mi-temps. En fin de première mi-temps, on les sentait dangereux, mais là, 28-0. Point de bonus assuré parce que ça soit si c'est l'ancien modèle, c'est 4 essais, on sent. Allez, on tente les relances maintenant. Doumerou, Senzel, Mornestein qui tente le retour intérieur pour Saint-Péré. Ah, on a fait un en avant. C'est dommage parce que elle est jolie la tentative de passe. Regardez, hop, la petite Chistera pour Senzel. S'il n'y a pas un avant, ça peut amener un essai, un très bel essai. On essaie de faire du jeu, on est là pour ça maintenant. Le match est gagné, le bonus offensif est gagné. Donc, on se fait plaisir. Et voilà. Là, maintenant, on essaie de jouer correctement. Hop. Oh, j'étais pas loin de l'interception. Oh, Bonneval qui se fait casser le placage là par contre. Ça a failli être très dangereux. Heureusement, ça revenait. Voilà, on plaque dans tous les sens. Regardez, c'est un bordel pas croyable. Allez. Et on grattera toujours pas la balle. Hein. Attention, Arias, faut y aller. Et voilà, on le met en touche tranquillement. On va faire un alignement comme bleu, on va essayer de faire un mold. On va envoyer sur Papé une fois de plus qui est notre homme. Il est solide aujourd'hui. Allez. Oh, ils nous ont cassé, on n'a pas pu faire de mold et on s'est gratté la balle. Il y a un avant de passe là. J'ai pas compris ce qui s'est passé, ils ont réussi à nous empêcher de faire le maul. Bien joué de leur part. Mais là on est énervé, là, regardez, voilà. C'est la revanche, les Parisiens sont énervés. Allez, Doumerou, on l'a vu, hein. On va essayer, regardez, l'envoyer pour l'autre. Hop. Ah non, il va pas assez vite, Arias. Donc c'est Doumerou qui se jette. Hop. Allez. Allez les gars, au soutien là. Oh là 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 là. Allez. Oh, ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien pu faire. J'ai pas pu, je lui ai demandé de faire une passe, il l'a pas faite. Il est parti tout seul. On va faire un alignement à 3 seulement. On arrive sur la fin du match. Ça se rapproche. Hop là. Allez. Slimani, la Kafia, on va y... boum, en chargeant, et on s'est gratté la balle. J'ai refusé de lâcher, j'ai même pas eu le temps, ils nous ont piqué la balle. Là, j'ai pas compris, là, pourquoi ils sifflent pénalité contre nous. Ils la jouent rapidement, ils auraient dû taper en touche, évidemment, hein. Vous imaginez bien. Ça, c'est mauvais choix stratégique de leur part. En plus, ça veut dire que je sais que je peux gratter la balle et pénaliser, bah, c'est pas grave. Donc on va pouvoir tenter d'être tout le temps... à la limite de la faute, vu que de toute façon on ne tente à rien. Allez, on essaie à chaque fois, on nous dit release. Ça a énervé, mais voilà, ça ils sont partis pour une possession d'une heure. Là, ils font du petit tas. Et là, en fait, on ne peut jamais récupérer la balle, j'ai l'impression. Oh, ça va être chiant si vous faites ça à chaque fois, les gars. Elle est pas loin, vous avez. Ah, quand même, allez. Allez, Arias, on sait que c'est là. Ah non. Ah, il faut lâcher. Ils vont la jouer vite, donc ils vont pas taper en touche, évidemment. Et donc voilà. On aurait dû partir en touche pour finir le match. Allez, vite. Le match est fini, mec, tu pourras rien faire. Ah, ils veulent améliorer peut-être leur goal à virage. Oula, oula, allez, poussez-le en touche. Non, pas par là. C'était pas le bon côté. Allez, boum. Allez, contre-ruck. Non, des fois ça, dans Rugby Challenge, ça marchait pas mal ce genre de contre-ruck. Bon, c'est une belle victoire là pour nous. Ouais, ça nous met bien. C'est notre première victoire de la saison dans ce top 14. On en avait besoin. On voit qu'ils ont eu la possession, mais c'est tellement énorme ce qu'il faisait, il faisait ce qu'il voulait. On va affronter le loup qui a mieux noté. On a un blessé. Ah non, c'est Paris C qui est en équipe nationale.
On va voir qui on peut mettre en numéro 8. Qui on a? On en a pas. Faut pas notre... Si. Balano. C'est le seul. D'accord. Bon. C'est le seul. Bon. Ok, ok. Ah non, on avait Astruc. Je connais Jérôme Astruc. Oui, il a 54 et Balano. Ah non. Je sais pas qui c'est, mais il a 82. Donc on va lui faire confiance. On va regarder un peu le classement. Ça fait du bien. On a pris 5 points. Ah, déjà la SM qui est déjà 20 points. Ouch. Ouch, ouch. Après, il y a Castres Olympique aussi. 3 matchs, 3 victoires. Sinon, tout le monde a au moins perdu une fois. Donc, voilà. Voilà, voilà. On a encore des problèmes dans la sélection. On en a encore. Ah oui, on a Dinou. Qui est... On va mettre... Voilà. Et on va se lancer... Encore, il y a des problèmes. Ça, ça veut dire quoi, là, cette piste? Est-ce que vous voyez des blessés ou... Ah oui. Autant pour moi, pardon. Lui, il est toujours pas revenu. On a beaucoup d'internationaux, là, qui sont... ou de blessés, comme Will Guenya. On va garder Mornestein. Il a fait un bon match, mais on fait tourner. On va mettre Jules Plisson. Bon, on va se faire plaisir. Koubriashvili aussi, on peut le mettre un peu. On va le mettre par exemple comme ça. Et voilà, Slimani comme ça. Slimani est quand même le mieux noté. Allez, vous devez définir le botteur. Ben oui, on va mettre... je sais pas s'il y a les notations comme ça. Bon, on va mettre Plisson. Je sais que Dupuis peut le faire. Hein. Je le sais très bien que c'est un buteur aussi. Allez, on lance de suite le deuxième match. Non, c'est un peu trop les mêmes maillots. Est-ce que je peux... Ah, voilà. Ah, je peux jouer Lyon si je veux. On va les mettre en blanc et noir. Voilà, comme ça pour changer, histoire de... Je peux jouer Lyon. Par contre, on a gagné facilement. Alors on va regarder. Oui, on est toujours à niveau pro. Hein. Ça n'a pas changé. Jusque des fois, d'un match à l'autre, vous voyez... on est dans le dur comme on est dans la facilité. Après, on a été quand même dans la facilité, entre guillemets, parce qu'ils arrivaient tellement à conserver la balle. On n'avait pas de possession. On a juste réussi, en fait, à concrétiser à chaque fois nos essais. Donc, c'est ça notre chance. Mais, Bonner. Il n'y a pas encore, mince, j'ai pas pensé à mettre Michalak en 10. Mais ce sera sans doute le demi d'ouverture. Malaga à l'aile, ça va faire mal. Côté du Stade Français, on n'a pas changé grand chose, juste mis Koubriashvili. Et puis la charnière, on a mis Plisson. Voilà, voilà. Et on part pour ce match. Allez, go. Non, avec Slimani, je tape au pied. Mais cela dit, ça ne sort pas si mal au final. Regardez, ça leur met une pression de suite. Aux abords de leur... Allez. Oh, il est hors-jeu, ouais, c'est bien ce que je pensais. On va se laisser prendre la balle. Alors, on n'a pas Mornestein pour taper de si loin. C'est dommage. Mais on va tenter les 3 points. Hein. Elle est dure, hein. Elle est dure. C'est dommage, on aurait dû garder, vous voyez, Mornestein. Hein. Alors là, par contre, vu comment c'est loin, on va faire attention au vent, genre comme ça. On va viser ce poteau, quasiment. Et c'est parti. Ah oui, il est beaucoup moins fort, ça va beaucoup plus vite qu'avec Mornestein et c'est un gros fail. Waouh. Bon. C'est un gros fail. Et beaucoup de pieds là par contre de sa part, il n'est pas sorti des 22. Hein. Ah si, il était sorti de ses 22 mais de rien. Je l'ai pas vu, j'ai cru qu'il n'était pas sorti des 22. Et là par contre ça leur coûte cher et au final, bon, bah, avoir raté la transformation, ça ne nous coûte pas. Enfin, la pénalité, ça ne nous coûte pas trop cher. Mais ouais, en fait, avec Mornestein, je peux tenter des... Allez, on va tenter pour si cette technique... Ouais. Ah non. Good night. Bonne nuit, parce qu'on a pris un gros tampon. Et dommage, on a raté... On rate des petits trucs, là. On commence plus ou moins bien, mais en fait, on profite pas des erreurs lyonnaises pour l'instant. Donc ça, c'est dommage. Allez. Là, notre 15 est quand même... Hop, il essaie de temporiser et de faire la passe, malheureusement. Waouh. Malheureusement, ce sera une passe interceptée. Et voilà comment on relance Lyon très très bien dans un match. Ils avaient mal commencé.
Ah, ça, je suis pas du tout content de ce que je fais ou que ce qui s'est passé. Avec la balle, je sais pas si vous avez vu. Oh non, Plisson! Plisson, non! T'as pas le droit de faire ça, là. On peut faire un bon coup de pied pour ramener dans les 22. Ah, oh, crap! Alors là, Plisson, bravo. C'était pas le moment, là. C'était vraiment pas le moment. Mais en mêlée, on a l'air chaud là, on est pas loin de récupérer. Ah non, ils refont, il y a une reprise de nouveau. Et ils vont conserver la balle, ils ont une bonne mêlée. Et là, faut se méfier. Allez, on gratte la balle, super, Burban. Plisson, Senzel, allez, Doumerou, faut la ramasser. Hop. Allez, il y a Plisson qui vient à la retombée de la chandelle et qui arrive à récupérer. Qui essaie de faire vivre la balle, mais malheureusement, c'est une mauvaise passe. Danti n'a pas le temps d'aller récupérer. Et là, ils vont essayer de s'organiser de tranquillement. Les Lyonnais, mais le match est foufou pour l'instant. Et c'est difficile de dire qui va prendre le premier ascendant parce que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Attention, Hugo Bonneval qui se fait. Oh là là, ça c'est pas bon ça. Ils ont. Ouais, il va être long, je pense. Ça devrait aller. Est-ce que. Ouais, c'est bon. On va demander une mêlée. Il a vraiment tapé beaucoup trop loin, on va pas demander un rambo 22. Mais une mêlée sur les 50. Boum boum boum. Allez. Cette fois-ci, on va essayer. C'est une mêlée en notre faveur, on a failli leur voler tout à l'heure. On n'a pas réussi, eux vont réussir à nous voler la balle, ça se bat. Non, on la conservera, mais difficilement. Et avec Plisson, on pourrait la jouer, je vous l'accorde, mais... On va tenter là, regardez, de trouver. Ah non, en fait, j'aurais clairement dû la jouer à la main, parce que ça fait un coup de pied pas top. Il a pas le pied de Mornestein, Plisson, clairement pas en fait. Et là, je suis en train de faire des bêtises. Ah, ils ont le vent pour eux quand même, ça se voit. Non, non, on la prend pas. Oh là là, c'était limite. Hein. C'était très limite, mais évidemment, on va demander la mêlée. Parce que là, regardez. On est à 35 mètres de leur ligne. C'était limite, j'ai voulu attendre. On a failli faire une poitre noire. Et en finale de la Champions Cup, avait laissé Austin Hillet aplatir. C'est les plus jeunes connaîtront pas, ça commence à être ancien cette histoire. Mais voilà. Allez, donc on va essayer de faire du jeu cette fois. Doumerou, Danti. Oui, il va laisser Danti là. Il va laisser Danti, oui. Et le loup qui est pas trop là défensivement sur cette action, qui coulisse très mal. Et on n'a plus qu'à courir vite. Allez, Plisson cette fois, faut s'énerver, faut la mettre. Ça devrait passer cette fois. Pas de problème. Et ça fait 7-0 pour le Stade français. Eh bien, ça va mieux. Ça va mieux, les gars. Alors, 7-0. Ça me fait bizarre là de voir le 10 comme ça. On a notre. Notre joueur fait comme ça, allez, Plisson, 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 ah il est plaqué, sans ballon là, bon, on fait pareil juste après, essaye pour se venger, allez, Bonneval qui se fait un peu gêner, on a Senzel là, allez poussez-les en touche, non dommage, on joue beaucoup avec le pied, je vous l'accorde. Allez, Plisson, Plisson qui navigue dans la défense. Est-ce qu'on va réussir à conserver? Oui. On va taper le drop là. Hop. Oh non, on le rate. Que de rater quand même. Pénalité ratée, un drop raté. J'aurais peut-être dû la jouer. Oh, il demande de la mêlée plutôt que le rambo 22. Surprenant, là quand même. Enfin, après, c'est pas ce qu'ils veulent engager, ils veulent jouer à la main. J'imagine, ne pas nous rendre à la balle. Mais regardez, ça peut se retourner contre eux s'ils viennent à. Voilà, regardez sur le côté gauche. Allez, Danti. Danti qui fixe et qui fait une mauvaise passe à Senzel, malheureusement. Allez, 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 on perd là-bas. Dommage, hein. C'est dommage ça. Allez, 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 allez. On essaie. Je me suis dit, dans le mall, on les amène en touche, non, rien du tout. Par contre, là, on peut les. Ouais, bien, Pascal Papé qui pousse en touche. On va faire un alignement complet. Et que les arrières derrière. Et on va envoyer sur Papé encore un jizz énormément Papé, je le trouve vraiment très bon là sur les touches. Plisson,
Plissons, plissons, ballon. Ah, on a essayé, j'aurais dû. C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est pas. C'est pas un drame. Il aura le temps de taper au pied. Allez, allez. À la relance. Bonneval. Ah, je rate mes crochets. J'essaie de crocheter, mais on n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut tenter le petit côté là? Allez. Ouais. On arrive toujours à conserver, ça va. Oh, il était hors jeu là. Sérieux, là, à revoir l'image, mais pour moi il est. Il sort comme ça directement du rec. Ah, ça m'énerve. Voilà, j'ai été prêt à faire du jeu et on s'est retrouvé plaqué de suite. Attention Arias, Arias qui se fait de nouveau. A voir avec Bonneval, on est là. Hop là, voilà, j'ai bien. J'ai pas trop mal coulissé, donc ça ira. C'est bien, c'est bien. Là, on est en train de s'en sortir. Allez, avant la mi-temps, on va envoyer sur Papé. Ah, là, je fais une mauvaise touche. On va peut-être perdre la balle pour. Non, ça va. Bon, regardez, hop, on envoie une touche dans l'autre sens. Pas de risque, hein. Pas de risque. On mène 7-0. On sait que les matchs sont compliqués. Cette fois-ci, on a vraiment la possession. Ils sont moins forts. Pau, c'était vraiment fou le côté. Ils arrivent à conserver la balle. Allez, on va essayer d'envoyer très court pour essayer d'attraper la balle. Allez, avec Arias. Ah non, rien à faire. Autant envoyer loin plutôt. Parce que là, en fait, on leur donne la balle quasiment sur les 50. Pour pas grand chose, parce qu'on n'est jamais, je crois que j'ai pas réussi à attraper une seule fois la balle comme ça. Allez. Il a envie de la. Allez, Senzel. Bon, ça sert à rien. Quoique, j'étais en mode ça sert à rien. Ah, il est plaqué. Ouais, Vantage is over, mais il est plaqué légèrement sans ballon et ça. C'est gênant. Bien, Ah, ils vont nous mettre la mêlée ou l'en avant? La mêlée. Parce qu'il y a la mêlée avant. Normalement, je pense qu'on peut choisir là, normalement. J'aurais choisi la mêlée, je pense. Même si on est plus. Quoi, voilà. Ce que j'allais dire, c'est qu'on est plus fort en touche vraiment. Oh là 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 là, c'est limite. Hein. À chaque fois, ça part dans les deux sens. On va réussir à la conserver. Il serait de bon ton. Allez, on y essaie d'y aller avec Doumerou qui casse. Oh, qu'il est haut le plaquage. Il est haut. On va pas la jouer rapidement. On va essayer de taper les 3 points. Hein. Évidemment. On va frapper pour marquer. Essayer de s'assurer la gagne. Parce que là. Hein, le vent, faut pas trop y faire attention en fait. Allez. Ça devrait passer. Il devrait pas y avoir de problème. Voilà. Et là, on prend un petit avantage. Enfin, 10-0, bon. Ça sent bon, on les sort en plus du bonus défensif. Hein. Tout le monde est potentiellement notre rival. Oh non, Doumerou. Dommage ça. Allez. On récupère la balle, mais évidemment, il y a l'avantage. Hein. Donc bon. Mais on a. Ce petit break, ce 10-0 qui fait qu'on n'est pas à portée de fusil, ce qui nous a coûté cher par exemple sur la première journée où Montpellier arrive à revenir à la fin. Là non, ça va, donc c'est plutôt cool. Allez, ça plaque. On n'est pas loin de gratter ce ballon avec Kouriashvili. Il tente le retour intérieur. Voilà, oh là là, ça craint. Ouais, bien, là on va pouvoir gratter. Non, on ne grattera pas la balle. Et les Lyonnais qui sont dangereux là, être dans nos 22. Essayez de pas prendre l'essai. Vous voyez que heureusement qu'on a mis cette pénalité hein, pour nous permettre d'être pas trop sous pression. Aïe aïe aïe, Papé qui se fait casser le plaquage. On n'arrive pas à gratter la balle. Il n'y a rien à faire. Ils sont en train d'y aller en pick and go là petit à petit. Allez, allez, il faut l'arrêter. Danti. Ah, il arrivera à aplatir. Rien à faire. Il n'y a rien mieux à faire. On essaie pourtant, mais. En puissance, c'est les Lyonnais qui nous ont fait mal petit à petit. Bien joué. Ça fait. Ça fait qu'ils reviennent à 10 à 7. Attention tout de même.
Hop là, allez. Ah non, mais j'arrête d'essayer d'envoyer. Cours, on n'arrive pas à les attraper. Bon, ils reviennent à 3 points, donc. Ah, oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça craint ça. Ça craint. Coup de pied de recentrage, on a plus notre 15 qui a plaqué juste avant. Il est pas hors jeu, il est pas hors jeu. Et... il a réussi à. Ouais, j'ai refusé de lâcher. Je vais pas la perdre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils tapent en touche pour nous abattre? Ou est-ce qu'ils tapent les 3 points? Non, ils tentent les 3 points pour revenir à 10 partout. Attention. Ça passe. Ça passe. C'est-à-dire qu'on menait 10 à 0. Et on est en danger maintenant. Hein, mais vraiment, trop danger. On envoyait loin plutôt. On n'arrive pas à mettre la pression de toute façon. Ah là, c'est. Allez, on a 20 minutes pour aller chercher la gagne. Parce qu'on n'en était pas loin. Aller gagner à Lyon, ça aurait été sympa. Est-ce que j'ai bien fait de gratter le ballon? Vaut mieux ça que de prendre. Ah, on... bon, va falloir gagner le ballon en mêlée. Pourquoi pas tenter un drop là? Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est Plisson, c'est pas Mornestein là. Donc, déjà, faut gagner la balle en mêlée. Et ça, c'est pas fait, on le sait. Allez, on se bat comme on peut, on la conserve. Plisson. Allez, elle est importante celle-là. Ouais, ça va passer. Ça passe. Et on met un drop avec Jules Plisson. Drop important. Attention, ça a failli toucher le poteau. Et on reprend 3 petits points d'avance face au loup. Alors, allez, allez. Ah là là, eux, ils arrivent à récupérer la balle. Et là, ils vont nous mettre une pression du tonnerre. Allez, on n'arrive pas à récupérer la balle. Je sais pas ce qu'on perd. Bah, si on se prend un essai là, c'est terrible. On peut perdre le match, hein. On peut perdre le match aussi. Faut pas non plus se mettre à la faute maintenant, hein, parce que bah, le temps passe et on a moins de temps pour aller remettre des points. Allez, avec Danti. Là, ça devrait aller. Il y a pas de soutien. Mais on met 3 ans et on a pas réussi à gratter. Oh là là là, il casse 2 plaquages, le mec. Non! Oh là là, on arrive à gratter enfin un ballon. Allez, on peut le regratter peut-être encore. Non, on ne grattera rien du tout. Il tente d'envoyer. Il est un peu tout seul là, normalement, ça va. Par contre, on n'arrive toujours pas à récupérer la balle. Regardez notre 9 qui est encore à sa place. Allez! Le match est chaud là, hein. On essaie d'être bien organisé défensivement. On n'est pas à l'abri d'un drop non plus. On va peut-être récupérer sur ce contre-ruck. Allez, waouh, ça fait du bien. Et Dupuis, on va essayer d'envoyer. Boum. Allez, une touche alors. Voilà, sur les 50, mais c'est pas trop mal, c'est bien. Julien Dupuis, ou Julien Dupuis. Allez, Papé, ce serait chouette, non, ça sera pour Mostert, il a marqué son nom en dernier, ouais, mais il se rate, mais ils sont chanceux, ils arrivent malgré tout à conserver. Oh là, par contre, on arrive à garder la balle, et boum, et on balance, et avec Burban qui court, qui essaie d'aller mettre la pression, et ils sont venus taper en touche, et ça nous fait une touche pour nous. Pour nous, à 5 minutes de la fin, sur leur allez, 40 mètres, 35 mètres. Allez, on va envoyer sur Pascal Papé. Et on va essayer de faire un maul. Allez. Un maul. Et on avance tranquille. Boum, 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 ça avance, ça fait du bien ça. Allez, Danti. Hop. Retour intérieur pour Dupuis. Saint-Zel, Jules Plisson. Allez, au bout, non. On tente le retour, on s'est intercepté. Ah, je suis deg. Ils auraient presque dû tenter le contre à la main. Là, ça va faire que si on arrive à. On va faire pareil. Et on va essayer d'envoyer sur Papé et puis d'envoyer en touche. Le match est serré, j'espère. Non, on va envoyer sur Mostert là. On va pas prendre de risque. Voilà, on va faire un maul, ça. Prendre du temps tranquillement. Et le match va être fini. Voilà. Tranquille. C'est fini.
Et là, on va en toucher, on prend pas de risque. On a 3 points d'avance, je sais, ses petits bras, mais... Le match est chaud, hein, on peut très bien le perdre, hein, donc... on va gagner à Lyon, ça fait plaisir. On se relance bien dans ce championnat. Maintenant, on va affronter l'Italie. Un France-Italie où on sera favori, hein, les notes de la France et l'Italie sont plutôt sereines. On fera ensemble... voir qui on mettra titulaire, qui on mettra remplaçant. On fera tout ça sur la prochaine vidéo ensemble. On peut pas voir le. Ah oui, c'est vrai, on peut pas voir notre classement pour l'instant. Au niveau du top 14, mais on s'est bien remonté, je pense, avec cette victoire. On est dans la. Ah, attendez. Il y a que 4. C'est des poules différentes. Donc, regardons notre poule. On est avec l'Australie, l'Italie, le Canada, la Belgique et l'Écosse. C'est des poules de 6, non, c'est des poules de 5 de mémoire. Non, je sais plus. Non, c'était des poules de 5. Hein. Il n'y avait pas que 4 poules, il y avait 5 poules à la place. Non, je sais plus. Ça me met dans le doute. Bon, bref, ça n'a pas d'importance. On est dans la poule avec l'Australie qui a battu l'Écosse déjà de 9 points. De 9 petits points. Donc voilà, nous, on va falloir battre l'Italie et l'Écosse au moins. Face à l'Australie, ça ne sera pas facile. Mais j'espère que ça vous aura plu. On s'est bien relancé avec 2 victoires là. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve pour les matchs avec l'équipe de France et face à l'UBB. Donc on va faire tout ça alterner à l'avenir. Merci à vous et à très vite. Ciao ciao.